On a Patrick Pouyanné. J'ai eu l'occasion de travailler récemment avec lui sur un dossier lourd, Carlin, avec nos équipes CFDT. Ça s'est très très bien passé. Donc on est assez confiant. On est assez confiant et le président des Marais a déjà tenu cette fonction. Donc c'est un duo qui devrait être solide. Donc pour nous, c'est un duo solide et rassurant. Ce qui est important, c'est la prise de décision qui a été très rapide, montre quand même au niveau international que le groupe a pu et a su réagir. Et au niveau de la stabilité, oui, c'est important, puisqu'il y a une continuité des activités qui avaient été déjà programmées depuis un certain temps par Christophe de Margerie. Clairement, on a vu que depuis la création de la branche raffinage chimie, Patrick Pouyanné a pris à bras-le-corps tous les dossiers de réduction de capacité en Europe, de baisse de charges, de fermeture de sites. Donc je ne pense pas que ce soit sa nomination en tant que directeur général du groupe qui changera quoi que ce soit dans le domaine.